Bonjour Anne. Bonjour Loïc. Anne-Henri. Loïc rendez-vous, Simon. Voilà, et rendez-vous en marchant en bord de Marne. Alors Anne, elle, sa société, c'est Au Fil de la Marne d'ailleurs, à Brie. Toi, tu es une passionnée de la couture et plus particulièrement de la formation à la couture pour les jeunes de 7 à 77 ans. Oui. Enfin, un peu pour tout le monde, quoi, en fait. C'est ça. Alors, pourquoi on a intérêt à se mettre à la couture aujourd'hui ? Pour se sentir unique. Le matin, quand vous choisissez vos vêtements, par exemple, vous avez envie d'être unique. Et bien, grâce à la couture, vous pouvez être unique parce que vous allez pouvoir choisir vos tissus, vos modèles, vos accessoires, la mercerie qui va avec. Voilà. Ça, c'est la première raison. Il y en a une deuxième. Qui a une taille mannequin ? Moi, je connais personne qui a une taille mannequin. Pas oui, moi. Non, pas moi non plus. Donc, j'imagine et je sais que personne n'a jamais trouvé un vêtement parfaitement à sa taille dans un magasin, ou rarement. Eh bien, la couture, ça va vous permettre, si vous voulez faire des vêtements, de les faire à votre taille. Voilà, ajusté, toujours très bien, confortable. Il n'y a pas que les vêtements d'ailleurs, il n'y a pas que les vêtements. Il y a la troisième raison, je crois que tu m'avais parlé de quelque chose qui m'a bien marqué, la créativité je crois. Voilà, la couture c'est la créativité pure. Vous allez pouvoir choisir votre tissu, la couleur de votre zip, la couleur du fil pour le mettre en évidence ou pas. Et pas que pour des habits d'ailleurs. Hein. Voilà, choisir un patron. Même chose si vous faites de la décoration, vous allez pouvoir choisir vos nouveaux rideaux, votre nouvelle nappe, vos nouveaux coussins. Et si vous avez envie d'offrir quelque chose, vous pouvez aussi l'emballer dans du tissu. Il y a plein de choses. Faire la décoration de Noël, de Pâques pour votre table. C'est infini la couture. Bon, alors si on veut se mettre à la couture, quels sont les trois conseils que tu nous donnes pour démarrer ? Commencez par un projet simple qui vous permettra d'avoir envie de continuer. Donc avec du coton par exemple. Je dirais qu'une deuxième raison, ce serait d'investir dans du bon matériel, parce qu'avec des bons outils, on fait du bon travail. Ouais. Et la troisième chose... Il faut peut-être se former. Ah ben, il faut se former. Ah oui. Alors, venez à l'atelier Au Fil de la Marne, à Brie-sur-Marne, et je vous accompagne dans vos projets, quel que soit votre niveau, quel que soit votre âge. À partir de 6 ans, vous pouvez coudre, et à 77 ans, toujours. Un projet simple, du bon matériel, que tu peux d'ailleurs aider à choisir. Voilà. Et une formation adéquate. Voilà. Sympathique, agréable. Voilà. Avec Anne-Henri, au fil de la marne.fr. Oui. Comme Carglass. Non, c'est au fil de la marne.fr. Voilà. Et vous la retrouvez également d'ailleurs à Vivre Entreprendre en Vallée de la Marne, notre association d'entrepreneurs du PRE, de Brie, de Villiers, de Fontenay, de Nogent, enfin toute la région autour de nous. Tous les premiers mardis du mois d'ailleurs, on se réunit. Et puis, on fait plein d'autres choses. Les petits déjeuners, les matinales. Anne sur Instagram, sur Facebook et à Vivre Entreprendre. Merci beaucoup, Anne. Merci, Loïc. Et on va à continuer notre marche. Oui. Voilà. Bye bye.